Salut tout le monde, c'est Zenamon de Lucario, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, juste après la grande mise à jour. Donc voilà, il y a eu la mise à jour, donc voilà. Maintenant il y a un nouveau mode de jeu, donc qui est le mode tireur des 2.0. Donc voilà, maintenant on peut faire ça en solo. Donc ceux qui ont le pass de combat, ils ont la semaine 6, donc blesser des adversaires avec un pistolet mitrailleur. Fouiller des coffres à Anarchy Anchors, ça va encore. Placer un feu de camp, ça va encore. Escalader différents sommets, alors à mon avis, ça doit être des buildings. Fouiller entre un pot en métal, trois panneaux d'affichage et un bus accidenté. Pas trop sexy, on verra ça tout à l'heure. Élimination à l'arme explosive, donc des grenades, lance-roquettes, lance-patates, il y a quoi d'autre? C4, et éliminer des adversaires à retake. Ok, et ben c'est parti, on va se faire la première game, on va faire du solo. En même temps, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ai acheté un nouveau casque. Dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. S'il est, si on m'entend bien, si c'est pas assez fort, si c'est trop fort. Dites-moi bien en commentaire, s'il vous plaît, parce que j'ai acheté un nouveau casque. C'est un RIG 500 HS. Je vais aller à peu près de 60€. Donc voilà. Dites-moi bien en commentaire comment vous le trouvez. Donc, en même temps, il y a eu la nouvelle pioche, seulement c'est plus de Twitch. Oh, il y a un nouveau drapeau pour y aller. Oh, il a un drapeau chelou, le gars. Regardez, maintenant il y a une grande barre bleue. Maintenant, ça c'est le trajet. Donc, on va faire Anarchy Acres. On va faire juste à côté. Je crois que c'était fouiller les coffres. Hein. On va aller juste à côté, on va aller au parapluie. Ou alors on va se faire aller au clay. Allez, c'est parti, au clay, les gars. En premier, en deuxième, là. Alors la zone elle est où? Elle est juste à côté, c'est parti.
pompe, nickel les gars. Alors pour l'instant j'ai pas encore le nouveau lance-roquette, alors c'est un lance-roquette avec donc il est un peu comme dans GTA, donc détectable. C'est blanc ça? Ah ils ont mis un fusil à pompe blanc. Ça peut être sympa ça. Fusil à pompe blanc les gars, ça peut être super sympa. Pour ceux qui sont pas de chance, fusil à pompe blanc, ça veut dire plus de précision. Parce qu'en fait toutes les armes blanches sont plus précises. Ça, ça a été ajouté. Et juste après, on va faire le nouveau mode de jeu. Là, on a 7 balles, là, on a 10 balles, là, on a 5. Là, on a tout, on est tout bien. Il y a du monde à Tilted Tower. C'est vrai que ça fait une petite mise à jour maintenant. Quand on regarde la mini-map, Tilted Tower, c'est marqué en tout petit. Avant, c'était marqué en gros. C'est un peu embêtant, c'était gros, ça allait hein, quand même, c'était pas non plus le truc le plus embêtant. Et voilà. Pour l'instant, un kilo compteur. J'aime bien le nouveau bruit de la pioche, mais elle est simple. Elle est simpliste. Pour l'instant, top 34. Ça peut être super sympa. Maintenant qu'il y a eu la nouvelle mise à jour, c'est beaucoup plus simple de trouver de nouveaux pompes. Là je l'ai eu en 2-3 coffres, alors peut-être que j'ai eu de la chance. Enfin c'est pas le légendaire, c'est le violet. Je pense que j'ai eu de la chance. On va aller faire un petit pro ou un tour à Salty. Alors n'oubliez pas de faire le double escalier. Très important le double escalier, ça peut sauver des vies. Par contre, on a un défi au pistolet de à réaliser. Alors, je sais pas si je vais.
la nouvelle pioche, je suis vraiment content de l'avoir. C'est une pioche spéciale Twitch, donc avec les personnages. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on prend le personnage. Un pompe chasseur bleu. Oh les gars, il y a un pompe chasseur bleu maintenant les gars. Mais c'est épique. Chasseur bleu. Wow, les gars, ils ont fait un bon chasseur bleu. C'est ultra cheaté, les gars. Hein.
va faire la petite dernière game. Donc là cette fois on va essayer le nouveau mode de jeu, Tireur d'élite 2.0. Mode temporaire, Tireur d'élite 2.0, Tireur d'élite revient avec le fusil de chasse mais sans le revolver. Les gars, sans le revolver. Donc là déjà il n'y a plus de petits flingues, c'est que au snipe. C'est que au snipe. Là on a du vrai tireur d'élite, là on n'a pas de petits flingues. C'est vrai que là ça va être beaucoup plus compliqué, mais c'est grâce à ça que vous allez progresser au snipe. Moi personnellement je suis pas nul au sniper. Alors le sniper coup par coup, je suis entre parenthèses à courte et moyenne portée, ça va. Mais par contre à longue portée, je suis la pire des dodos. Putain c'est trop bien. Alors donc voilà, le nouveau mode de jeu est actuellement bon, pour l'instant je ne sais pas comment que ça va se passer. Donc là je vais spawn directement dès le départ, on va aller là. Oh, maintenant on peut zoomer la carte les gars. Comment je fais pour se placer un marqueur maintenant? Placer marqueur c'est R1 maintenant. Ok d'accord. Maintenant on peut zoomer la carte, c'est pas mal. C'est super sympa du coup, ça peut être assez intéressant. Dans les premiers à mon avis ça va être assez compliqué, mais par la suite je pense que c'est faisable. Déjà petit pompe chasseur. Il y a des pièges. La tête. Il y a les grenades quand même, il y a des grenades. On va vaquer ça. Non, je rigole les gars. Je plaisante. Je rigole. A chaque fois que je vais faire un kill, en fait, je vais crier en fait. On va faire le coffre juste à côté, on va prendre le kit de soin, on va prendre le fusil sniper coup par coup. Et puis voilà. On va voir s'il y a pas un petit coffre un peu mieux que ça. Petit légendaire.
rapias, sérieux, les rapias. Ah là, la zone elle est wesh. Attends. Ok, c'est un petit peu loin, mais ça va. Ah, il y a un truc là-haut. Ok, donc en fait, il y a un petit truc là-haut. Ça l'identifie. Et en fait, c'est la limite de la hauteur. Je vais prendre un peu. Ok, ça c'est bon. Est-ce que j'ai un tremplin? Ça peut être très très violent par contre. Si je me prends une balle de snipe, là par contre ça peut être très 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 violent. Alors là, donc là on est très très chaud. Alors, attention, là il y a peut-être un sniper là-haut. Non, là c'est le. KDN. Tu peux me mute s'il te plaît. Là on a vu qu'il y avait une personne là, juste ici, yes. Alors je sais pas si je vais réussir à l'avoir, ça va être vraiment compliqué là, parce qu'on va tester le sniper coup par coup. Yes. Oh dommage. Ah, je suis dégueu. Dommage, dommage, dommage. On aura essayé les gars, on aura essayé. Il m'a touché une fois, il a géré. J'aurais pu me prendre une construction et me prendre la popo comme ça là, ça aurait été pas mal, mais il y avait encore du monde. C'est vraiment un très très bon mode de jeu. Testez-le les gars, regardez. J'ai mis deux onoscopes et un dans la tête. Tu n'as pas one-shot parce qu'il avait full vie. Donc le pompe chasseur vert ne one-shot pas encore. Donc s'il y a une personne qui a full shield et full vie, ça ne one-shottera pas. Ça va mettre 100%, ça va mettre 150, max 175. Mais tu ne vas pas one-shot. Comme vous avez pu le voir, ça ne one-shot pas. Pareil pour le violet, il ne one-shot pas. Faut avoir le légendaire. Donc voilà, donc là ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon micro, ça c'était pas trop fort. Je mettrai une petite musique de fond en plus.
Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Si vous activez en plus la petite clochette, parce que maintenant c'est la clochette, ou sinon vous allez avoir une vidéo sur deux, voire une vidéo sur trois quand je vais les poster. Allez, tchuss tout le monde.